À Bordeaux, nous avons lancé les états généraux des migrations le 24 mars, à Senon, à Palmer, où il y avait quand même 600 personnes qui ont participé l'après-midi, avec des débats sur les migrants. Là, les états généraux des migrations ont un double objectif. D'abord, tirer un bilan et dresser un état des lieux des demandes d'asile et des migrants de façon générale sur le territoire français, et également faire des propositions, des recommandations, comme quoi bien, il y a d'autres politiques possibles, en tout cas une politique d'ouverture qui ne met pas la crainte en premier lieu, la défiance vis-à-vis de l'étranger, qui serait certainement beaucoup plus positive, beaucoup plus conforme aux principes républicains, et dans tous les cas, qui aboutirait à des situations qui ne mettraient certainement pas en danger ni l'économie ni la politique française. Le point culminant, si je puis dire, sera la semaine prochaine, donc samedi 28, au Miroir d'eau, où là il y aura une très grande, nous espérons beaucoup de monde, mais en tout cas une manifestation spectaculaire contre le projet de loi qui sera peut-être, même sans doute, déjà voté par l'Assemblée nationale à ce moment-là. Mais enfin bon, de toute façon, nous ne renoncerons pas aux principes que nous défendons. Ce projet est absolument injuste. Ce qui est assez incroyable quand même et nouveau, c'est que tant le Conseil d'État que le Défenseur des droits, qui sont quand même pour l'un une institution et pour l'autre une autorité indépendante, ont dit qu'il aggravait le sort des demandeurs d'asile notamment, et que par la même occasion, ils ont fait savoir qu'il était totalement inutile, puisque un certain nombre de lois existent déjà qui vont dans le même sens, et que rajouter une plus grande précarisation des demandeurs d'asile, faire une véritable mécanisme, si je puis dire, où il va y avoir énormément de déboutés, donc de sans-papiers, ne va absolument pas résoudre la question des migrations.